Fier. Fier. Je suis fier de mes joueurs, très fier. Je ne peux pas être plus fier parce qu'on a tout fait pour gagner le match. Je crois que je ne peux pas demander plus de mes joueurs. Oui, efficacité, mais ça, tu l'as ou tu l'as pas. Mais dans tous les autres domaines, je crois qu'on a été beaucoup mieux que l'équipe plus en forme du championnat. Mais ils ont eu trois occasions, ils ont marqué trois buts. On a besoin de 5-6 pour marquer un but. Pour moi, c'est... Pardon. Est-ce que le regret, c'est de ne pas avoir juste 1-0 à la mi-temps? Parce que le deuxième but, voilà, je change peut-être pas mal de choses aussi. Vous êtes parti trop loin, finalement, vous avez 0-3. Oui, mais c'est vrai. Le deuxième but a fait du mal. Mais après le troisième... On n'a pas pensé c'est fini, sinon qu'on a continué. On a marqué le premier but et on a eu occasion pour minimum égaliser le match. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Pour toi, du coup, c'est quoi le sentiment le plus important? Parce qu'il y a la fierté d'être venu 0-3, pas 2-3, mais aussi la frustration de finalement que tu n'as rien au bout, qu'il n'y a pas de points. Oui. Oui, mais on n'a pas 10 points contre la meilleure équipe du championnat pour l'instant, l'équipe qui est plus en forme, qu'ils ont réussi à marquer 3 buts dans les 3 occasions qu'ils ont eues. Et le niveau, c'est ça, l'efficacité. Et ils sont là parce qu'ils sont très efficaces. Ils ont un joueur comme Guirassy sur le banc avec 8-9 buts. Notre meilleur buteur a marqué 9 buts. Le second meilleur buteur, il a marqué 2. Donc, le niveau, c'est l'efficacité. Si avec plus d'efficacité, nous serons plus haut parce qu'on mérite d'être plus haut. Parce que le plan de jeu, je crois que c'était très bon. Les joueurs, ils ont réussi à suivre. Et on a pressé très bien. Les premières 30 minutes, peut-être pour moi, sont les meilleures 30 minutes qu'on a joué à domicile. Mais on n'a pas réussi à marquer. Et c'est difficile de gagner des matchs si tu ne marques pas. Tu es fier du coup de la réaction de tes joueurs? Oui, bien sûr. Je ne peux pas être plus fier de mes joueurs, de l'état d'esprit, de ce qu'ils ont montré, qu'ils n'ont pas baissé les bras. Et après le match, j'ai dit qu'on doit lever la tête, on doit être fier. Rennes a demandé la fin du match contre nous. Je crois qu'on doit être fier. On ne peut pas être content parce qu'on n'a pas gagné, on n'a pas réussi à gagner un point. Mais, comme je dis avant, je ne peux pas demander beaucoup plus à mes joueurs. Non, mais c'est pas seulement lui, je crois aussi Moussa, Ilan Kebal, tous les remplaçants, Bradley, ils ont très bien joué. On savait que la première mi-temps, avec la pression, la deuxième, peut-être on peut être un peu plus fatigué. Et c'est pour ça qu'on a fait les changements. Et le dernier match qu'on a joué à 3, après les 30 minutes, Kajust m'a dit qu'il était mort. Donc, petit à petit, il va jouer plus de minutes, mais pour l'instant, il n'est pas prêt physiquement pour démarrer les matchs. Oui, mais ça, oui, mais aussi quand il y a un 3-0, c'est un peu différent, mais bon, je suis content. Je suis pas content, mais je suis satisfait de mes joueurs. Je ne crois pas qu'on va finir avec 36 points. On a beaucoup de matchs et si on joue comme aujourd'hui, c'est sûr que l'année prochaine, on va jouer en Ligue 1. Mais bon, on a fait des choses, de très belles choses avant pour avoir 36 points parce qu'on a beaucoup d'équipes derrière nous. Donc, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à des bonnes nouvelles de retour d'infirmerie parce que là, vous allez entamer une semaine
par une semaine à trois matchs qui va arriver, et on sait que voilà, au niveau effectif, est-ce que vous attendez à pouvoir récupérer un peu de force offensive? J'espère que oui, mais j'espère chaque semaine. Oscar, tu disais que pour toi, les 30 par minute, c'était les 30 meilleurs par minute de ton équipe à domicile. Oui. Comment t'expliques justement après le premier but, Rennes a vraiment pris l'ascendant en fait, oui, oui, pour moi, les dernières 15 minutes, on a été très fatigués. On a eu les blocs un peu plus bas. Et Rennes, c'est une équipe très dangereuse quand ils sont proches de la surface adverse. C'est pour ça qu'on a voulu presser très haut pour avoir les trois attaquants très loin de notre surface, mais à la fin, avec de la fatigue, ils ont réussi à chercher du centre. On a fait l'erreur de laisser les marquages dans la surface, dans le premier but. Le deuxième aussi, on n'a pas suivi le 1-2. Donc, oui. Mais peut-être ces 15 minutes, il y a un peu de regret, mais je crois que les joueurs étaient fatigués. Je ne sais pas si c'est la meilleure équipe, mais devant le but, oui. J'ai aucun doute. Quand tu disais les 15 minutes, c'était les 15 minutes de la part à mi-temps. Oui, oui, à la fin. Et du coup, ce résultat, pour toi, en fait, c'est très frustrant, en fait. Oui, pour moi, c'est frustrant d'avoir 3 à 4 occasions très claires dans les premières 30 minutes et pas réussi à marquer. Et après, la première occasion de but qu'ils ont eue, ils ont marqué. Oui, c'est dur. Et c'est pour ça que je suis fier, parce que psychologiquement, pour les joueurs, c'est très dur, ça, de courir, de presser, de récupérer le ballon, d'avoir des occasions, d'avoir le sentiment que tu es beaucoup mieux dans les matchs que Rennes. Mais à la fin, ils sont très, très efficaces, très bons devant le but. Oui, un peu de déception, mais je parlais avec les joueurs, j'ai dit on doit être fier, on doit lever la tête. Si on continue comme ça, on n'aura pas de problème pour le maintien. Et on va gagner plus de matchs qu'on va perdre si on joue comme ça. De rien.